Et bonjour à tous, on se trouve pour la suite des aventures de Tales of Symphonia. On avait débarrassé Palme Costa des designs dans l'épisode précédent, donc on va partir sur la suite. あの偽物たち、俺たちの真似をしてるんだよな。すると、あの下品なリーダーがロイドね。そっくりじゃない。あの少女がコレットで魔法使い風なのは私でしょうね。 じゃあ、あの猿みたいのは?ジーニアスなの? 違うよ!きっとクラトスだよ!ああ。 Un bout de chemin. Faut que je farme un petit peu ici. Histoire de me faire un peu d'argent pour pouvoir me reposer. ファーストエイド。無駄だ。決まれ。アクアエイジ。ファーストエイド。先空レッパ。終わりだ。 Eh, 200 flouzes pour les petites coccinelles. Je prends. On en fait encore un peu quelques-uns. Sekunayo, skiga de giru. Mudada. Kimayo, akato e. Hop, 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 On a combien? 356 flouzes. Allez, encore un combat et ça devrait passer. Sekunayo, skiga de giru. あ、間違いだったら。大丈夫。ファーストエイド。決まれ。アクアエイジ。先空レッパ。無駄だ。ファーストエイド。無駄だ。決まれ。アクアエイジ。大丈夫。無駄だ。よし、これだ。 Bah maintenant il va faire ceci. Non, ça et ça. Ouais, foudre et épine de glace. Et des boules de feu aussi. Dada. Voilà. Et maintenant, on peut laisser reposer en toute tranquillité. Élus, vous tous, qu'est-ce qui se passe? J'ai un message de Dor. Il vous demande de suspendre le périple de la régénération. De quoi s'agit-il? Le guide d'un pèlerinage de l'église de Martel a été kidnappé par les designs. En apprenant ceci, Dor a décidé qu'il était temps d'unir toutes les forces de Palma Costa et de lancer une attaque contre la ferme humaine de Magnus que Magnus contrôle. Quel est le rapport? Nous souhaiterions que vous alliez porter secours au guide enlevé parallèlement à l'attaque. Qui est ce guide qui était enlevé? Elle s'appelle Chocolat. Chocolat? Oh non. Élu, s'il vous plaît, aidez-nous. Lloyd, aidons-les.
Ouais, allez. Ouais, d'accord. Je savais que t'allais dire ça. Bien sûr, on peut pas l'abandonner. Merci. Neil vous donnera des détails une fois la ferme humaine. Eh ben, ça me fait encore plus de trucs à faire. Il était pas là, le monsieur, en dessous, là. Heureusement que ça coûte pas très cher, la nuit ici. Vous avez dit vouloir la statue de Spiritua? Je sais bien que c'est une demande assez effrontée, mais c'est pour la régénération du monde. S'il vous plaît, mon père. La statue de Spiritua est magnifique, n'est-ce pas? Ceux qui prient en sa présence sentent leur foi renforcée. Que l'on apporte la statue ici. Mes plus humbles excuses. La statue de Spiritua est en réalité une copie que j'ai placée ici. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai perdu la véritable statue de Spiritua il y a un an lors d'un pèlerinage. Le pèlerinage représente le voyage initiatique spirituel de l'église de Martel, c'est ça? Pourquoi avoir emporté la statue? L'auréole ornant la tête de la statue de Spiritua est en diamant. Nous l'emportons toujours lors des pèlerinages pour éviter qu'on nous la vole. Lors du voyage de l'an dernier, comme d'habitude, j'ai emporté la statue de Spiritua avec moi à l'île de Toda. Mais elle est malencontreusement tombée dans un geyser. Pourquoi l'emporter dans un endroit pareil? Je suis désolé, j'ai été si surpris de voir un geyser pour la première fois. Le temps que je me rende compte de ma maladresse, la statue était de l'autre côté du geyser. En désespoir de cause, je suis allé voir un nain qui vit à Iselia, et je lui ai demandé d'en faire une copie. Oh, ça doit être Dirk. Très bon travail. C'est le moins qu'on puisse attendre de Dirk. Papa... Mais quel genre de travaux fais-tu? Bon, eh bien, que faire maintenant? Vous pensez qu'on arrivera à tromper le vieil homme avec ça? C'est peu probable. C'est une bonne copie, mais les diamants sont faux. Et si on allait chercher la vraie? Vous voulez aller sur l'île de Toda? Vous savez que la statue se trouve sur des rochers derrière le geyser, n'est-ce pas? Oui. Le problème, c'est le geyser. Même moi, je ne prendrais pas le risque de me brûler avec de l'eau buante. Au ciel, Lloyd. Tu te rappelles qu'un geyser expulse de l'eau buante? Je suis fier de toi. Lloyd, tu es génial. Bien sûr, tout le monde sait ça. Je parie que tu as deviné. Chut, la ferme. Mais il faudrait déjà savoir comment arrêter un geyser. On m'a raconté que le cycle d'éruption d'un geyser de l'Itodotada est assez court. Je me demande si on peut le bouger avec quelque chose. C'est ça. Nous allons demander à Genis de le sceller à l'aide de sa magie. Quelle magie? On pourrait le couvrir avec de la glace, par exemple. D'accord, je vais essayer. Tu as intérêt à être reconnaissant. Dicton numéro 1, travailler de concert pour le bien d'un monde en paix. On compte sur toi, monsieur Genis le magicien. Bon, bah, on a deux trucs à faire. Libérer la ferme humaine, aller chercher la statue. Oh non, j'étais presque. Bon, allez, on va le faire. キマレ。 Bon, il va falloir que je change un peu mes compétences. Oh! Il va prendre Tempête Oméga. Ah, ça, il faut que j'enlève des techniques à lui.
afin que je débloque d'autres techniques. Le pot au vent. La tempête, hein. Kiro! Mudada! Kimare! Lightning! Hatta! Kimare! Daijoubu? Senku! Upgrade! Dama shinai de ttara! Hatta! Kimare! Fireball! Gakatta yo! Hatta! Mada mada ikeru ze! Du melon. Ah, nous voilà à la ferme. Droïdo! Ah. Kono kouke mita koto aru ze. Iseria dake ja nakatta nda na. Ningen bokujo tte no wa. Mo Marble-san no yona kiseisha o dashitaku nai yo. Ah. Mo kiseisha wa iranai. Iku ze, Genius! Élu, attends. Neil, nous avons appris que le chocolat avait été enlevé. Oui, je voulais justement vous en parler. Allez, venez par ici. On dirait que les nouvelles ne sont pas bonnes. Je voudrais que vous poursuiviez votre route et quittiez la région de Palma Costa. Mais si nous partons, qui viendra-t-il de chocolat? Oui, nous sommes censés agir en concert avec l'armée. De Palma Costa pour porter secours à chocolat, non? Non, c'est... Alors, c'est un piège. Parmi les possibilités que nous avions, il semble que la pire soit devenue réalité. Kratos, professeur, de quoi parlez-vous? Il était impensable que les Design laissent une ville avec une armée. Oui, exactement. Choisir de ne pas écraser une rébellion signifie en réalité qu'elle ne représente pas de réel danger. On les laisse tranquilles car ils n'ont pas vraiment de pouvoir ou peut-être qu'ils peuvent s'avérer bénéfiques. C'est exactement ça. Edward collabore avec les Design pour faire tomber l'élu dans un piège. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Il n'était pas comme ça avant. Il a toujours pensé au bien-être de ses habitants, des habitants de la ville. Même il y a 5 ans, lorsque sa femme Clara est morte, il a juré de lutter contre les Design. Alors pourquoi? Je ne sais pas. De toute façon, entrer dans la ferme maintenant mettrait l'élu en danger. Laissez-moi m'occuper de chocolat et poursuivre votre chemin. Essayez de régénérer le monde le plus vite possible. Effectivement. Il vaut mieux renoncer à faire quoi que ce soit ici et repartir pour la régénération du monde. Non, je ne peux pas ignorer ce qui se passe ici. Quoi, t'as raison. Si nous laissons les choses telles qu'elles sont maintenant, Palma Costa risque d'être détruite, tout comme l'a été Isilia. Tu ne penses pas la même chose, Lloyd? Oui. Ce que tu dis est vrai, mais je crois néanmoins que Kratos a raison. Si on ne veut pas que des villes soient détruites, il faut éviter tout contact avec les designs. Non, ce n'est pas vrai. Régénérer le monde et sauver les gens qui souffrent devant nos yeux ne sont pas incompatibles. C'est ce que je crois. Si c'est ce que tu crois, Colette, alors nous n'avons pas le droit de t'empêcher d'agir. La seule personne qui a le droit de prendre des décisions sur ce périple, c'est toi, l'élu. Es-tu d'accord avec ça, Lloyd? C'était mon intention dès le début, vous vous souvenez de ce que j'avais dit? Je vais les détruire tous. Cependant, c'est d'accord. Colette dit que c'est ce qu'elle souhaite. Par conséquent, nous avons maintenant deux possibilités. La première consiste à aller de l'avant et infiltrer la ferme pour sauver Chocolat et les autres poissonniers. Autrement, où vont les choses? Si nous ne faisons rien pour détruire la ferme, il se produira un second Isilia. La deuxième option, c'est de confirmer les intentions de Dor. S'il a conçu un piège, c'est qu'il connaît parfaitement les plans de la ferme humaine. Allons le faire parler. Qu'allez-vous faire à Dor? Il vaut mieux ne pas demander les punitions de Rain. Les punitions de Rain sont terriblement douloureuses. Si on est logique, interroger Dor en premier est le plus sage. Qu'en penses-tu, Lloyd? Retournons à Palma Costa. Nous devons savoir ce que Dor a à dire d'abord. Ouais. Mais il faudra aller sauver Chocolat dès que nous le pourrons. Elle doit se sentir seule et apeurée. Si elle-même, Lloyd prend des décisions sensées de temps en temps. On dirait. Très bien. Alors, allons-y. Que dois-je? Restez ici. Nous allons mettre la pression sur votre chef. Il vaut mieux que vous ne voyez pas ça. Vous pouvez surveiller la ferme humaine d'ici.
D'accord. Eh ben, on repart... On repart de l'autre côté, on repart à Palma Costa. Hop là. Voilà, maintenant on a la possibilité d'utiliser Neusch. Ça devrait bien mieux se passer maintenant. Pas pour très longtemps, évidemment. C'était pas le bon.邪魔をしないで。ファーストエイド。先空レッパ。ライトエイド。ファーストエイド。先空レッパ。決まれ。ライトエイド。ファーストエイド。やべ。ファーストエイド。邪魔をしないで。 Mais tu utilises un rétablissement sur toi. Aïe, non. Ouf. Voilà. Si je peux faire encore des petits combats sur la route, ça m'arrangerait. Ça me fait un peu de flouze. センクーレッパ。逃がったよ。ライトニング。逃がったよ。センクーレッパ。逃がったよ。ライトニング。ライトニング。ファーストエイド。 Voilà, là on devrait tranquillement pouvoir aller se régénérer. Ensuite direction Palma Costa. Sauvegarder là maintenant. Et c'est reparti. ライトニング。
Dans le pire des cas, je prendrai un... J'irai à l'auberge de Palma Costa. Ça coûtera deux fois plus cher, mais c'est pas trop grave. S'il me reste encore un peu d'argent, j'irai faire encore un peu plus d'emplettes. Toujours plus. Toujours plus d'emplettes. Lightning! Dada! Kudan! Kimalet! Lightning! Aseleka! Ta! Kimalet! Lightning! Honore no fun o nageku! Voilà. Ah, je sais pas si je suis... Ouais, non, je suis encore ici. D'ailleurs, du coup, l'œil, il n'y a plus besoin d'utiliser ça. Ceci, ceci. Ça aussi. Ça aussi. First aid. Il en est à où, Jinis? 40 pour son éruption, 43 pour la foudre. L'épine de glace, on va l'enlever. Voilà. Un petit peu de riz. Je ferais bien encore un peu de combat avant. Est-ce que moi j'ai un truc à utiliser? La lame de vent, la foudre. Encore un ou deux. Il y en a combien maintenant? 49. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant tu vas ne faire que des boules de feu. Ok, des niveaux en plus. Toujours plus. On va aller à l'auberge, faire des emplettes. Ensuite, on ira aller voir Dor. Élu, mes amis, Chocolat et thé. Oui, nous avons entendu, pas de soucis, nous allons la sauver. Nous n'allons pas laisser les amis s'en tirer. Merci, son sang est entre vos mains. Pitié, sauvez ma fille. Occupez-vous du magasin en attendant le retour de Chocolat. Lol. Élu, merci. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. J'aimerais bien avoir des trucs gratuits pour aller sauver ta fille, mais apparemment tu veux pas. On va prendre des jus d'orange. Deux petites fioles vita en plus.
Ouais, non, pas de fioul de pain assez. De gelée de pomme. Voilà. C'est un peu mieux, là. Du coup, bah, direction le général d'or. Il n'y a personne ici. Je crois entendre des voix venant du sous-sol. Tu crois? J'entends rien. Il n'y a personne ici. On devrait aller voir au sous-sol. Ouais. On va juste faire ça, ça. Tac. Je vais peut-être leur donner toutes leurs techniques. On va faire un petit coup d'équipement pour voir. Ok, j'ai rien reçu. T'es dans les accessoires. Non, même pas un accessoire sympathique. J'ai une gemme de niveau 1 à mettre. Peut-être la mettre sur Lloyd. Quoique. Allez. Solidité. Stratégie, on en est où? Reste à distance de l'ennemi. Là-dessus, on en est où? Ok, ça me paraît bon. クララはいつになったら元の姿に戻れるのだ。まだだ。まだ金塊が足りないからな。だんだん少なくなってくるな。これが精一杯だ。通行税に住民税、マーテル教会からの献金、これ以上どこからも絞り取れん。まあよかろう。次の献金次第では マグニス様も悪魔の種子を取り除いてくださるだろうよ。お父様、もう少しだ。もう少しでクララを元の姿に戻れるのだ。旅行の料金を底上げして。<笑>どういうことだ。何だよその面は。まるで死人でも見たような顔じゃねえか。ねえロイド、 そのセリフありがちだよ。うるせえ。なぜ巫女たちがここに。ニール、ニールはどうした。ニールさんはいなくてよ。そっか、ニールが裏切ったのか。あんたの奥さんがどうしたってんだ。人質にでも取られているのか。人質だと笑わせる。妻なら ここにいる。うわ、何この化け物。泣いてる。あの人苦しいって泣いてる。化け物なんて言っちゃダメだよ。まさか。そうだ、これが私の妻クララの変わり果てた姿だ。 だから亡くなったことにしていたのね。父が愚かだったのだ。ディザイアントの対決姿勢を見せたために。先代の総督だった父は殺され、妻は見せしめとして悪魔の種子を植え付けられた。私が奴らと手を組めば、妻を助ける薬をもらえるのだ。それじゃあ、あんたはこの町の人を裏切ってるんじゃないか。知った。
ったことか。所詮ディザイアンの支配からは逃れられん。コレットが、ミコが世界を救ってくれる。ミコの再生の旅は絶対ではない。前回も失敗しているではないか。それにこの町の者は私のやり方に満足している。ただ私がディザイアンの一員だと知らぬだけだ。黙れ。何がお前のやり方だ。あんたの奥さんは確かにかわいそうさ。でもな、あんたの言葉を信じて牧場に送られたばかりに、あんたの奥さんのようにされた人だっているかもしれないんだぞ。黙れ小僧。自分だけが正義だと思うな。ふざけろ。正義なんて言葉、ちゃらちゃら口にすんな。俺はその言葉が一番嫌いなんだ。奥さんを助けたかったなら、総督の地位なんか捨てて、薬でも何でも探せばよかったじゃないか。あんたは奥さん一人のためにすら地位を捨てられないクズだ。ロイドやめて。みんなが強いわけじゃないんだよ。だからもうやめてあげて。コレット、その薬っていうの私たちで取ってきてあげよう。そうしたら総督だってもうディザイアンの味方にならなくてもいいんだから。私を許すというのか。あなたを許すのは私たちではなくて町の人です。でもマーテル様はきっとあなたを許してくれます。マーテル様はいつでもあなたの中にいて、あなたの再生を待っていてくださるのだから。私の中に。バカバカしい。人間ごとき劣悪種にマーテル様が救いの手を差し伸べてくださることはありません。何をするんだ。お父さんでしょ。どうしてこんな。ふざけるな。私はディザイアンを滑るご聖人が長プロネーマ様のしもべ、ご聖人の一人であるマグニスの新たな人間培養法とやらを観察していただけ。優れたハーフエルフである私にこんな愚かな父親などない。愚かな父親ですって。愚かではないか。娘が亡くなったことも気づかず、化け物の妻を助けようとありもしない薬を求めるなどと。こいつ許せない。 C'est parti。 大したことなくてね。新発見だわ。無人剣。無駄だ無駄だ。レッキューザン。これが弱点。私に続け。レッキューザン。真空レッパー。エンジェルフェザー。フォトン、終わらなくてよ今よ。旋風効果。真空レッパー。任せて。大丈夫。思いっしょ。真空レッパー。ここに集いで神の御心を示さん。真空レッパー。大丈夫。無駄だ。ファーストエイド。真空レッパー。面白い。無駄だ。ファーストエイド。真空レッパー。エンジェルフェザー。無駄だ。無駄だ。真空レッパー。ファーストエイド。無駄だ。面白い。聖なる翼よ、ここに集いで神の御心を示さん。真空レッパー。無駄だ。エンジェルフェザー。行くわよ。リスペル。真空レッパン。真空レッパン。行くわよ。リスペル。真空レッパン。聖なる翼よ。邪魔をしないで。ここに集いで神の御心を示さん。行くわよ。ファーストエイド。真空レッパン。エンジェルフェザー。無駄よ。大丈夫。無人艦。ファーストエイド。無駄だ。人間。ファーストエイド。真空レッパー。聖なる翼よ、ここに強いで神の御心を示さん。ファーストエイド。ça a encore plus beaucoup de vie。
ならばせめてこの怪物を放ちお前たちに死を！またかよ。また辛い思いをしている人を倒さなきゃいけないのか。キリア、無事か？キリアは…本物の娘さんは無事らしいぜ。安心しな。ロイド…そうか。ロイドと言ったかね、君。ああ。先生、早く治療してあげて。どうかショコラを助けてやってくれないか。お前たちをおびき出すため利用された哀れなあの娘を。認識番号は3341だ。わかった。それからこれは勝手なのだが、もしもどこかで妻を助ける方法が見つかったら、妻を人間の姿に戻してほしい。娘が戻ってきたとき、一人ではかわいそうだ。それはできない。あんたはたくさんの人を裏切った。そんな虫のいいことを頼むぐらいなら頑張って生き抜いて自分で奥さんを助けるんだ。そうだな、そうしたかった。そろそろ行こうか。お前、その言い方はないだろう。落ち着けロイド。我々がなすべきことは、ショコラを助け、この辺りを支配するマグニスを倒すこと。その通りだ。わかってる。あんたの言う通りだ。すまない。行こう、ディザイアンを倒そう。私の癒しの術は人一人救えないの。先生、何か言った？いえ、何でもなくてよ。Eh ben, c'est vraiment sombre en ce moment. Au tout début, régénération du monde, ça va être un super périple, et là, ça commence à être un peu sombre l'histoire. Du coup, moi, je vais m'arrêter là. Je vous dis merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Tchuss!